Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien évidemment. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de notre aventure sur Star Wars Jedi Fallen Order. Comme d'habitude, installez-vous confortablement, on n'oublie pas le petit j'aime et le petit commentaire. Je sais que vous mettez de moins en moins de j'aime, de moins en moins de commentaires parce que vous vous dites que votre voisin, que les autres le feront pour vous. Et finalement tout le monde se dit ça et donc personne ne fait rien pour vous et ça baisse, ça fait mal parce que qui dit pas de j'aime, qui dit pas de commentaires, surtout en 2019 avec un YouTube qui fonctionne énormément avec un algorithme très différent de l'époque, dit que les vidéos c'est compliqué pour qu'elles fassent surface, pour qu'elles se fassent un petit peu connaître et tout, et donc forcément on ne peut que sombrer finalement avec toutes ces conneries. Donc prenez toujours 2 secondes pour mettre un petit j'aime, ça fait toujours extrêmement plaisir évidemment, et aussi un petit commentaire, ça aide pour le référencement. Merci à tous ceux qui y pensent, vous êtes adorables. Je vous souhaite aussi de très bonnes fêtes de fin d'année. On est parti pour la suite de notre aventure. Alors installez-vous confortablement et on y va. A tout de suite. Allez, on est reparti exactement là où nous nous étions arrêtés avec des Stormtroopers qui s'en prennent à de très très grosses araignées. On va rester avec un sabre, on attend juste de voir ce que ça donne. Est-ce que je peux pas passer là-haut? Si je peux passer là-haut. Je peux totalement passer là-haut. Voilà, c'est pas mal ça. Ah oui, d'accord. Ça, c'est bien joué. C'est la première fois qu'on la rencontre. Je sais pas du tout comment elle va se battre. Ah, c'est dégueulasse. Ah, putain. Ok. Bon, heureusement que j'ai laissé les Stormtroopers s'occuper un peu de leur cas. Ah, ouah, ça me fait vibrer. C'est dégueulasse. Ah, mais c'est archi dégueu. Ah, ça met pas bien. Ah, je déteste les araignées. Vous savez, en vrai, je peux, dans la vie, faut savoir que je peux me battre avec un cheval, frère, tu vois. Je peux me battre avec un cheval, un taureau, je m'en bats les couilles. J'irai jusqu'au bout, tu vois. Même si je me ferais sûrement dézinguer, soyons francs quand même. Hein. Mais une petite araignée, les gars, je me défenestre, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Je supporte pas ça. Hein. Déteste ça, hein, vraiment. Hein. Ok. On va sauter ici. Aucun problème. Ouais, qu'est-ce que tu peux me faire là, frérot? Ça peut exploser, ça, je suppose, non? Des barils de sève, très bien. On va attendre d'avoir plus de points de compétences maintenant. Je vais parler au capitaine. Ils arrivent. Okay. C'est bon, on y est. Au moins, on a l'avantage. C'était quoi ça? Putain, attends, je sais pas non plus c'était quoi. Des coupeuses actives près des cellules. Demande d'intervention immédiate. Oh non, elle est en train de tout détruire. J'ai trouvé la cible. Je vois. Voilà. Je ferais bien de reculer. Je le tiens. Ah, bien joué. Allez, ça dégage. Ok. Ouhouhou. Let's go, j'ai été super intelligent là pour le coup. Ça a été très rapide. Mon degré de réflexion a atteint des paroxysmes. Très bien. Tu peux rien faire ici? Non. On sait jamais, ce serait dommage de passer à côté d'un petit truc. Tiens. Ok. Est-ce que tout va bien là-dedans? Oui, bien sûr que ça va, ma grande. Parfait. Les presses impériaux parcourent toute la planète. Ok. Si tu ne libères pas vite les prisonniers... Ça va marcher, je vous le promets. Très bien, écoutez, on va faire une belle save. Point de compétence, arbre de compétence. Ah, il n'y a pas grand-chose, on a débloqué beaucoup de choses en vrai. Il me faut un nouveau pouvoir. Tout ce qui m'intéresse demande 2 points de compétence. Déviation agile. Dévie automatiquement les tirs de blaster lorsqu'il sprint. Ah, putain. Je sais pas si ça vaut le coup. En retardant son attaque après un coup de sabre laser à double lame, Cal peut effectuer une série d'attaques dévastatrices. Eh, vas-y, je le prends. Allez, on vit qu'une fois. Allez, je veux voir à quoi ça ressemble.
Oh, c'est pas mal. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. On a custom le double lame. C'est vrai que le double lame, on n'y avait pas beaucoup pensé. Écoutez, en vrai... Non, les ennemis étaient loin derrière. En vrai, on peut récupérer sa vie et les faire repopper. C'est pas trop un problème à ce niveau de jeu-là. Étant donné qu'ils sont loin derrière, on s'en fiche totalement qu'ils réapparaissent. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hop. Let's go. Alors, qu'avons-nous là? Tiens, tiens, tiens. Je crois que c'est scellé. Forcément. Évidemment. C'est toujours pour la pomme de Bibi. Ok, pas de souci. Le Jedi ne va pas tarder. Et en ce qui concerne nos renforts, il va en retraite. Parfait. Chef? Allez, dégage. Oh putain. Oh là là, je suis monstrueux. Il faut juste que je me concentre. Oh, bien joué ça. T'es éclaté, mais bien joué. Ouais, ouais, j'ai projeté directement l'autre. Hein. Eh, bah les couilles. Hein. Viens là, BD1. Vas-y, pirate-moi ça là. BD1. Je m'assurais que t'étais encore là. Ok. Raccourci débloqué. Alors, tu veux quoi, mon frérot? Vas-y, scanne-moi ça. On a un truc ici aussi. Ce truc a besoin de courant. Très bien. Merci, Einstein. Ouais. Bah écoutez, on va passer par ici. Calmement, j'ai envie de vous dire. Ouais. Oh, raccourci débloqué, bon ça. C'est un raccourci qui mène où? Pas mal. Oh. Oh, 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 oh. Oh, vous l'avez vu? Oh, vous l'avez vu? Ce petit écho familial qu'on va s'empresser d'aller chercher. Ok, dites-moi pas qu'il y a une bête très sauvage. Très très bien. Oh, je vois rien. Ah non, ah non. Alors là, ça va être fort problématique. Ça va être très 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 problématique. Ok, je suis venu de là. Ah mais j'ai pas envie de glisser, de ride max. Pour rien, tu vois, ça me ferait chier. Toujours aller à droite. Oh, attendez. On y est? Ok, on y est totalement. Mais pas du tout, putain. Attendez, attendez, attendez. On va continuer tout droit. On va aller à gauche pour mieux aller à droite, je suppose, non? Ok, bien ça. Attends. Vite, un steam. Ok. La vache. Scanne-moi ça là. C'est bizarre ça, c'est quoi ça? On dirait une limace. Ok, pirate-moi ça. Allez, régale-moi. Une petite couleur de sable, les gars, par contre. Ça ferait plaisir. Qu'est-ce que c'est, BD1? Nouvel interrupteur. Bah ouais, 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 c'est pas exactement ce que je veux. Mais bon, pourquoi pas, on prend. Ok. Très bien, on déverrouille des raccourcis. Bon allez, vas-y, on y va, on y va, on y va, on y va. Tout ça étant très embêtant. Tout ça est très embêtant. C'est pas du tout là que je voulais aller. BD1. Est-ce que c'est l'accès aux terres d'ombre? Il y a sûrement un passage. Oh. T'as raison, la forêt est beaucoup trop vaste. Retournons voir ça. Ouais. Ouais, 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 je pensais pas. Ça m'embête un peu, c'est pas ce que je voulais. Peut-être qu'on va le trouver là-haut.
Voilà, je peux rien faire, hein. De toute évidence. J'ai pas le bon pouvoir. Ça sert à rien. On se casse. Perte de temps, là, ce qu'on vient de faire. Enfin, non. On a découvert une nouvelle entrée, mais qu'est-ce qui se passe? Putain, les gars, faites pas ça, ça fait flipper de ouf. Je suis complètement malade. Oh, si, c'est là. Allez, dégage. Ressens-moi ça. Niveau de santé maximal augmenté. Oh là là. Une zone appelée les terres d'ombre. Elle regorge d'ennemis. Oh là là. On peut passer par là. Là, il y aura encore les araignées. Attendez. Attendez, attendez. Voilà. Un max déco pour un max de femme. D'une Wookie. Pauvre Wookie. Et ben voilà. Et ce petit détour, les amis, je peux vous dire qu'il fait plaisir. Bon, on en était là, nous. On en était là. Tiens, tiens, tiens. Ah oui, c'est là où il y a eu... c'est là où j'ai fait apparaître la scie. Là, ici. Mais évidemment, ça manque d'électricité. Derrière, il y a de quoi save. Là, c'est de là où je suis venu. Très bien. Donc, pour l'instant, je pense qu'il faut juste revenir en arrière. C'est là où j'ai affronté le gars. On sait jamais. Et les gars, ça fait flipper quand ça fait ça. Avant, ça faisait pas ça, hein, les frérots. Hein. Hey. Oh, mon frérot. On vient pour vous libérer. Vous n'êtes pas seul. Tu me dis rien. Droïde de sécurité 28. Ça me dit rien. Ça dégage. J'ai pas trop le temps en fait. Il faut vraiment que tu comprennes que j'ai pas trop le temps. Oui, je disais. Bah attendez les gars, j'arrive. Il y en a d'autres. Attends, ils vont arriver par deux maintenant. Y a pas de quoi. Qui a envie de casser de l'impérial? Retirez peut-être le collier, c'est peut-être explosif. Bon boulot, Jedi. Allez, qu'est-ce qui se passe par ici? Eh, peut-être que sur un malentendu. Attends, il a peut-être caché un truc de ouf. Mes couilles. Hein. Mes couilles, rien caché du tout. Merci, madame. Ça marche bien. Attends. On doit retrouver So. Ah, c'était sûr. Très très bien. Ok. Je comprends. Eh, par contre, faut vraiment qu'ils graillent les mecs. Hein. Putain, ils ont littéralement le poil sur les os, quoi. Eh, allez bouffer, les gars. Allez sucer un arbre, là. Je sais pas. Faites un truc. Vous en avez besoin, les potes, hein. Voilà. So est devant. On doit pas être loin. Allez, ça dégage. Ok.
Ok. Excusez-moi. On les fait reculer. Continuez. On y est prêts. Tu vas le regretter. Ok. Oh, oh, let's go. Quelle maîtrise de la force. Ok. Je vais passer en double sabre. Parce que quelque chose me dit que je la sens pas. Attends. Hein. Hé, mets des 1. Oh non. Ok. Ok, faut que j'aille en haut. Je l'ai estiré un petit peu. Non. Oh non, sa mère l'hippopète. BD1. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis un homme mort. Je suis un homme totalement mort. C'est bizarre ces chargements, non? Je faisais jamais ça avant. Les gars? Oh, oh, j'ai eu peur. Ok, je prends. Hein. On continuera l'aventure plus tard, les gars. Rien à branler. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Nouvelle poignée. Hop, oh, raccourci débloqué. C'est fermé. Oh, fais chier, putain, les gars. Commencez à casser les couilles. Hein. On est reparti pour une heure de... d'ascenseur là? Allez, let's go. Let's go, let's go. Désolé, désolé, je m'emballe énormément en ce moment. Ok. Forcément, hein, on se retape le chargement retour. C'est normal, c'est normal. C'est mérité, c'est mérité. Je pensais pas que ça descendait, je pensais que c'était juste une autre manière d'aller en haut. Ah, bien ça, ce qu'il peut faire. Surcharge. Ouais, bien ça. Je vais avoir besoin de ton aide. Attends. Ouais, c'est pas bien ça. Attends, attends. Surcharge-moi ça là. Ah, bien ça. Je peux jouer deux paires. Je peux jouer deux paires. Ah! Pas vraiment en fait. Non, ça sert à rien. Je fais de la merde là, je fais de la merde. Et aller là-haut, ça sert à quoi? Salut, Bélia. Attends. Ouais, non, c'est là où faut que j'aille. Ok. Oh non! Oh, c'est tellement injuste. On va y arriver, on va y arriver. Allez, 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 tout doucement. Regardez ce qu'on dit, lentement, mais sûrement. Ah, c'est pas vrai, hein. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est pas vrai. Putain, c'est pas prêt. Allez. Tu veux bien me soigner? Merci, mon BD1. Terrible encore cette histoire, je le sens. Vers la prison. On a besoin des Wookiees pour en finir. Tu peux me soigner? Non. Non, j'ai jamais. La porte est bloquée. Rien à faire, on est coincé. Ok. Ah bah non. Il faut les faire sortir de là. Je vais mourir dans notre souffrance. Paris, protège les prisonniers. Oh, vache.
Arrête, wesh! Arrête! C'est fini. Ah oui? Opération sous contrôle. Oh non. Vous ne pouvez pas fuir. Ok. Dévaillance des scanners. Ok. L'ennemi décède. Ok. Allez, dégage. Dégage, mon gars. Point de compétence obtenu. Quoi? Ok. Je sais pas pourquoi j'ai fait l'étonner. J'ai cru que j'allais être à deux, mais pas du tout, en fait. Tu as réussi! Les Wookiees sont libres! Pas sur le toit! Go, le Wookiee Gang! Libérer les Wookiees, c'est fait! Et ça, c'est un plaisir. Non! Oh, merde, je vais jamais y arriver! J'ai plus beaucoup de vie, hein. Commence à devenir un peu compliqué tout ça. Attendez. Je sais pas, quelque chose me dit qu'il y avait une porte en haut. Voilà, c'est comme ça, c'est mental. Je veux en être sûr. Ça, on dira pas, ouais, B-Boy, t'as loupé un truc. Voilà, cette porte. Est-ce que... Non, mes couilles, dommage. Au moins, on aurait essayé. Aucune porte, et au moins, c'est réglé. J'aurais aucun regret, voilà, là j'ai pas de regret. On va pouvoir y aller tranquillement, sachant qu'ils sont libérés, ça va être plutôt cool. Bonjour! Déjà, oh, attends. Voilà! Déjà une porte. Je me souviens de celle-ci qui plus est. Surcharge. Il faut qu'on l'alimente. Attends, frère, c'est fait, non? Faut qu'on l'alimente. C'était pas fait. Je peux save un jour ou je vais... Voilà, merci. Ok. Il faut qu'on l'alimente. C'est déjà fait, pourtant. Surposer! Allez! On va élucider ce petit mystère qui commence à devenir fort embêtant. Comment ça, il faut qu'on l'alimente? Ça serait con de venir ici pour rien, non? C'est bizarre. Je suis là, le chemin en toute logique, si je puis me permettre. Enfin, il faut retourner là. Je sais que j'ai un plan, hein, les gars, paniquez pas. Oh, voilà! Très bien! C'est pas du tout ce que je voulais faire parce que je savais... Ok, mon gars. Ok. Oh. Arrête! Mais les gars! Là, vous abusez. Je prends ma race? Arrête! C'est pas vrai! Arrête! Allez, dégage! Casse les couilles, hein! Il m'en faut un! Ok! Je suis dernier! Ok! Tu te prends pour un dur? Ok! C'est bon? Bah, on a perdu beaucoup de Wookiees dans cette histoire. Pardon. Voilà. Voilà. C'est pas vrai. Ok. Ok. Ça commence à devenir compliqué. Jedi! On n'a pas assez de puissance pour percer sa coque. On s'en charge. Oh la vache. Voilà. La vache. Non,
Oh là là. Balance. J'avais esquive pourtant. Mon seul point faible. Oh non. Allez, dégage. Allez, go. Mais laissez-moi tranquille. Oh la vache. Ouais, c'est qui voit un boss, ça, putain. Eh, c'était compliqué, cadeau, hein. C'était compliqué, non ? Avouez qu'en rose, j'ai une putain de street cred. Écoutez-moi ! On a beaucoup souffert ces dernières années. Nous avons perdu des alliés, des amis, de la famille. À cause de l'Empire, nous avons connu l'enfer. Et cependant, la foi demeure. Nos espoirs ne sont pas morts. Les Jedi sont encore à nos côtés. Nous sommes toujours en vie. Kashyyyk est toujours grand et fort. Pour la cause! Tu as vu ce que l'Empire a fait sur Kashyyyk. Il en va de même sur tout le reste de la galaxie. Mes partisans seraient ravis d'être aidés par un Jedi. Je suis flatté. Mais... on a déjà une mission importante à terminer. Désolé. Alors plus tard, reviens me voir. Cal, je suis Mary Kosan. Et voici le commandant Choysik. Je suis désolé, je ne comprends pas tout. Choysik dit qu'il fera tout ce qu'il pourra pour retrouver Tarful et lui parler de toi. Vous pensez qu'il est en vie ? Aie confiance, Cal. On contactera ton vaisseau. Pour la cause. Ok. Tu connais Tarful ? C'était un des hommes de Tarful, mais il a été capturé en mission. Tarful n'avait pas vraiment les moyens de le sauver. Il a passé des mois dans la raffinerie. Choysik t'aidera à retrouver Tarful, mais il est très mobile. Ça peut prendre du temps. Ce serait fantastique. Merci. Ok. Bon. Yo les gars. Ça va, mon frère. Je suis content qu'on ait aidé les Wookiees. Libérer les opprimés, c'est ce qui nous motive à continuer le combat. Chaque perte, chaque mur dressé, crée un combattant qui n'a pas peur de perdre. Nous serons bientôt assez pour gagner. Ça fait plaisir à entendre, ça. Allez pas tuer tous les Wookiees quand même, hein. Ok, on fait tout le tour du vaisseau. Oh, ils sont exténués, hein. Bon, bah voilà. Eh, bonne chose de faite, j'ai envie de vous dire. On continue ou pas, hein, bien sûr. On dirait que So est vraiment prêt à tout. Je reviens tout de suite. Allez, dégage, je suis m'assoulé. Ah, on peut pas passer par ici. Par contre, on peut parler à eux. Allez, j'ai besoin chargement ça. Raccourci débloqué. Allez, salut les artistes. Je m'envole. Ah, bonjour monsieur. Ouais, pas très bavard celui-ci, hein. Ok, encore une chose ici. Voilà. Ça va débloquer quelque chose, ça, je sens. J'ai intercepté quelque chose en écoutant les communications impériales. Le projet Foreuse a été réactivé. L'Empire s'apprête à trouver un nouveau tombeau Zepho. Ah ? On a encore du pain sur la planche.
Ok, nouvel objectif. Ajouter à l'holocart. Enquêter sur le site de fouille de l'Empire sur Zepho. Très bien. Alors, en gros... Objectif principal, c'est donc mon vaisseau. Très bien. Quel objectif? Putain, c'est tellement stylé quand même. Tu crois que So et les autres vont s'en sortir? Toujours aussi optimiste, pas vrai? Regardez. Tiens, tiens, tiens. Merci. Merci pour tout. Allez, ça dégage. Ouais, il manque toujours un petit pou... Ouais, il manque toujours un petit pouvoir. Je vais pas réussir à aller récupérer le bordel. On va devoir changer de planète encore une fois. Il me manque quelque chose. Et ça, c'est dommage. Donc, je suppose... Putain, j'ai tellement peur. Il faut qu'ils arrêtent les temps de chargement comme ça sur cette planète. Qu'est-ce qu'il y a, mon frérot? Tu trouves toujours des trucs? Ah, c'est pas les ramasse-poubelles, ça? J'ai vu les souvenirs d'un dénommé Ostar. La Force me les a montrés sur Zepho. Mon compagnon. Il a distrait les Stormtroopers pour que je puisse fuir avec notre fille. Ah. Il a toujours été si impulsif. Oh, stylé! Il est. Oui. J'ai trouvé son corps. Au fond de moi, j'espérais qu'il ait pu s'échapper. C'est bien des échos sur la planète Zepho. Je suis désolé. Non, il ne faut pas. Je préfère savoir la vérité. Stylé! Ok. J'aime beaucoup. J'apprécie énormément. Allez, dites-moi tout. Hé, hey, Siri. Cal, contente de te revoir sain et sauf. Mariko-san nous a contactés. On sait que tu n'as pas trouvé Tarful. J'adore risquer nos vies pour que dalle. C'est fantastique. Ce n'était pas pour rien. Marie et Choisic réussiront. C'est bien de rester positif. On devrait tous s'en inspirer, ça ne ferait pas de mal. Eh, moi aussi je suis positif. Positivement sûr que si je meurs, je serai très contrarié. Tu as bien fait, Cal. On n'a peut-être pas trouvé Tarful, mais tu as sauvé des vies. Surtout, ne l'oublie pas. Merci. Ouais, j'oublie pas grand-chose, hein. C'est un peu embêtant quand même, hein. Très bien. Eh bien, écoutez, avant de changer de planète, on va juste aller sauvegarder tranquillement, parce qu'on aura bien avancé. Comment ça, elle pousse, frère? Y a que dalle de nouveau. On aura bien avancé. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve très vite pour l'épisode 11, évidemment. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, bon appétit, bon Noël si on se revoit pas d'ici là. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao.